c'est une équipe qui ne s'est pas qualifiée l'an dernier sur les phases finales, mais qui avait quand même remporté le challenge européen. Et mais voilà, qui a aujourd'hui, je te dis, 7 joueurs, je crois, aussi s'appeler en équipe de France. Donc ça démontre l'importance de cet effectif. Quand une équipe également du haut de tableau, de haut niveau, qui a énormément recruté à haut niveau aussi. Et voilà, on connaît les qualités de cette équipe lyonnaise qui est dangereuse, qui est allée gagner chez le championnat de France il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on s'attend à un match de haut niveau, en tout cas, comme on a eu samedi dernier contre Clermont. Lyon est une très grosse écurie aussi. Je crois que c'est l'équipe qui fait le plus de passes en top 14. Ils ont une très bonne conquête. Hein. Derrière, ils ont de fortes individualités aussi qui peuvent briquer les lignées. Donc on va se frotter encore à un gros morceau samedi avec ce déplacement au Loup. C'est une équipe très complète qui va vouloir nous recevoir, je pense, comme il se doit après leur match à Perpignan, donc on sait à quoi s'attendre pour ce déplacement à Lyon. Ben ouais, bon match qui se profile là, sur une surface intéressante, sur un synthétique, donc ça va aller vite, contre une belle équipe. Donc ouais, ça va être un voyage intéressant. Ouais. C'est surtout le contexte qui est intéressant, on vient de gagner à domicile, est-ce que c'est aussi voir si en équipe on est capable de mettre la même intensité, voire plus, pour aller chercher une bonne performance là-bas, quoi.